Toujours aussi révoltée d'avoir été placée sous tutelle pendant près de 13 longues années, Britney Spears garde une certaine rancune à l'égard de sa famille. Une haine qu'elle exprime parfois sur la toile, via ses photos et légendes Instagram, mais également dans la vie quotidienne. Désormais fiancée à son chéri Sam Asghari, l'interprète de Toxic ne compte pas inviter sa famille à son imminent mariage. D'après les propos d'un proche de la star au tabloïd américain Us Weekly, mercredi 8 décembre 2021, la chanteuse de 40 ans serait fermement opposée à l'idée de croiser ses proches le jour de son union avec son actuel compagnon. Jusqu'à présent, aucun membre de sa famille n'est invité à son mariage, a expliqué son amie. Un choix drastique, expliqué par le contrôle qu'avaient son père, Jamie et sa sœur sur sa vie quotidienne, mais également sur ses ressources financières. Une fortune aujourd'hui à la baisse suite au précédent monopole qu'avait son père. Désormais libérée de ce joug, grâce au mouvement hashtag FreeBritney lancé par ses fans, ainsi que par la justice américaine, Britney Spears est dorénavant une femme libre, impatiente à l'idée d'épouser celui qui partage sa vie depuis maintenant plus de 4 ans. Un mariage que la belle blonde avait annoncé sur son compte Instagram, en septembre dernier en dévoilant par la même occasion son impressionnante bague de fiançailles. Une demande en mariage parfaitement orchestrée par son chéri qui, peu de temps avant de lui demander sa main, avait été aperçue dans le quartier très prisé de Beverly Hills au sein d'une bijouterie de renom. Sam Asghari, 27 ans, a étudié minutieusement un étal de pierres précieuses avec l'assistance d'une employée du magasin, avant que des bagues en diamant lui soient proposées, racontait TMZ.